En fait, nous t'avons parlé aujourd'hui et ça nous a les propositions des républicains sur réforme de l'immigration. Et maintenant, avant nous détailler le plan ça que les républicains ont présenté, qu'il y aurait les Dignity Act, okay? C'est non ça que ont bali. Nous t'avons pour tout le monde rapide de nous comprendre bien. Parce que fort souvent, les gens entendent ah, mon projet de loi là, tant que pas Biden là. Les gens comme s'ils pensaient que, bon, c'est comme si ils allaient voter qu'on est là. D'abord, nous voulons comprendre que c'est un projet de loi et que, qui est proposé par un groupe de députés républicains. C'est comme ça que vous comprenez. Lors de un projet de loi, ils ne peuvent pas dire pour quand ils dit bon, ça va le passer. Ce n'est pas ça qu'ils dit. C'est une introduction. Qui est-ce qui propose projet de loi ça? C'est un groupe de 9 députés républicains. OK? 9 députés républicains qui présentent. Yogain en tête li, c'est député Maria El Salazar qui sorti dans Florida. Yo introduit propre immigration réforme pa yo, proposition pa yo. OK? Donc c'est ça pour nous comprendre. Et d'ailleurs, ça yo proposé là sans sorte de synthèse. Yo beaucoup fin by trop détail sous proposition de loi yo. Nous pral fort comprendre les grands points. Ouais, j'en introduis son façon pour moun pa di nous oh et apparemment que républicain yo dit yo pral bay 11 millions moun papier ça ka passé qui les m'a joine papier. Il va comme ça pour comprendre. C'est une proposition. OK? Donc c'est ça pour comprendre l'idée non quatre propositions pour loi faut le passer dans député il faut le passer dans sénat il faut présidentiel c'est comme ça pour comprendre. OK, maintenant républicain ça yo yo dit yo proposer plan pa yo parce que yo connaît que pa yo a plus chance pour le ta passer dans sénat que pas démocrate yo cap tenter bail résidence pour en fait premier ça vous voyez là c'est résidence pour TPS et résidence pour Dreamers et on certaine et légalité tout pour monde qui travaille dans champ c'est ça démocrate voté déjà et qui gagne à dans sénat mon attend feedback li. Donc pour Maria El Salazar ça qui gagne temps passer dans chambre député pour lui-même pas grand-rien qui fait le passer dans chambre sénat. OK, donc c'est ça qu'il fait comprendre. Et Salazar lui-même lui dit ils sont hispaniques et lui-même tout lui t'a vlé un bagage pour 11 millions de monde qui pas gain papier qui dans pays a lui t'a remet pour yo traiter yo avec dignité. Et il pensait que ça pas fait avec proposition démocrate se fait là. Il dit d'abord, bah ça pas fait si nous pas camper bloquer problème qui gagne sous frontière là pour nous bailler une solution permanent. C'est en fait la parler de problème sous frontière là. Donc on effectivement gagne une crise sous frontière là vraiment débordé à tel point que dernière nouvelle l'Assemblée Mexique pour l'obliger font bagaille pour si Mexique pas fond vraiment vrai, il pas qu'à supporter. Mexique commence à mettre soldats et différents monde militaires pour frontier ralenti sous sa cabine les États-Unis. OK. Maintenant, plan républicain yo d'abord li gagnent un aspect côté qui yo pral bay en pile comme l'argent pour mettre sécurité sous frontière là. OK. Okay. La dani, yo pral de protéger moun ki pa gen papier yo qui vin nan pays a tant kou. Ti moun nou parle de Dreamers yo. OK. Li bien dit la protéger yo. Li pa dit qu'il pral ba résident. OK? La bay 10 ans pour capable gen sanita rele. Ami dit la bay 10 ans route qui pral ba ou sous sa rele yon legal statut que wap ke wap capable renouveler. OK? Pour un documentaire d'immigrant yo, ça qui pas commettre crime. Tande bien sous 10 ans pour yon statut que vous êtes capable de renouveler.
c'est ça le dit pour moun qui pa gen papye yo. Mais nous connaît bon, ça pas besoin ajouter tout avantage qui gagne qui c'est typique, c'est toujours nous faut pas commettre crime, des pour gagne avantage qu'on a gen mauvais dossier ou pas là-dedans. Donc nous j'ai déjà compte ça. Et yo dit yo même yo pral étendre visa agriculture pour worker là. En d'autres termes, ça républicain yo a proposé là, yo veut dire yo pas dans cause résidence avant. Donc yo ta gen projet pour ta bon petit papier 10 ans qui capable de renouveler et pas faire exception non quitte en documentaire d'immigrant quitte ces dreamers yo pas décidé en fait pour yo même yo pas croire que pour venir une résidence possible donc yo même yo ta vle pour bon petit papier légal ou dégager en attendant si entre-temps ou joindre l'autre façon pour venir une résidence ba konnen ou ta vinn marié ou bien petit ou ta vinn faire apply pour OK but yo même yo pas gain résidence dans ça opposé mais ça gain dans projet yo en plus du fait que y a parlé de frontière là pour gain des solutions permanentes mais yo parlé tout de ça ta relé yon une méthode que nous relé e-verify pour le mandatory ça va lui dire qui ça c'est côté y a forcer tout businessman tout entrepreneur pour gain yon rigueur lorsque y a mettre mon nan travail e-verify ça ça qui t'apprend le fait que en pile côté nous connait gain des série de monde qui travaille illégal qui travaille en bas table. Donc ça t'a presque impossible pour moun sa yo joindre travail. Donc parce que toute compagnie d'après plan ça t'a obligé utiliser yo pour yo certifier un monde qui pa gen papier pour vendre travail. Li t'a gen un langage qui t'a assuré tout que border security a li complet avant réforme nan prend place. Ça veut dire pour yo même nan phase a faut yo compléter border security a first et puis pour réforme en place. Donc républicains yo qui étaient réunis nous parlons bien c'est 9 lawmakers républicains qui gen là-dedans aux femmes ou garçons. Donc son façon pour yo dire eux même yo pas diable tout yo gen compassion mais nous gen compassion. Ce qui problème nous gen pour nous tabaye mon yo résidence. Là n'baye m'ka comprendre ni. Qui problème qui gen pour tabaye mon yo résidence? Fait d'armer répondre question ça quelque part si gien des monde que nous reconnaître dans pays a mon yo gon bande dans pays a mon n'a pas criminel li pas gang qui problème si nous ka ba un statut légal ça qu'empêcher que au moins bon d'accord bon mais j'aime t'es d'accord avec vous je t'ai dit bon OK n'a ba puisque Joe Biden t'a proposé 5 ans après ça pour le faire 3 ans pour gien green card là bon mettons ou t'a venu ou t'a dit bon nous même en guider 5 ans n'a demandé c'est 10 ans après 10 ans ou après si gen résidence bon là m'étais capable de se compréhensible oui parce que quel est le problème pour que moun sa yo capable si nous vle bay on légalité pour qui ça va capable résidence là en fait c'est les questions qui étaient pendantes avec monsieur dame démocrate ça OK et donc et républicain yo nan conférence de presse ça qui fait comprendre que yo même tout yo pas yo gen compassion OK yo dit yo ta vle bay on dignité avec moun kap vive parmi yo pendant des années moun ki vle vin nan peyi a yo supposé suivre la loi proposition ça nous connaît et qui vini nan moment côté que démocrate yo commencé sérieusement parler de problème immigration nous connaît démocrate yo voye plan pa yo déjà bay et sénat nous connaît ça et nous connaît tout effectivement faut nous avouer qu'il y a une crise sur la frontière pile yo parler de pendant les 20 dernières années, yo poko avè assisté à un tel taux de population immigrant qui a foncé sous frontière là. À tel point nous là, semblé Mexique pas le fonger parce que là vraiment et dans limite côté que y a privé pas maîtriser le même. Maintenant, fondou nous tout connaît que Biden lui-même lui proposer le tout. Biden proposer 11 millions. Pour 11 millions, mais c'est pas pour les gars, ça, non, pour y'a gain résidence. C'est ça qu'il t'a proposé. Maintenant, nous pensons que gain moyen là pour gain on chita parler. C'est ça politique. Nous pensons que gain moyen pour ta gon chita parler entre républicains et démocrates pour ta jouer une solution milieu. Mais maintenant, la question, d'abord, nous comprenons une proposition ça que 9 républicains baillent.
Fonda mesure, même là encore, et c'est là la question. Combien de républicains qui a marché à même proposition ça? Je continue de comprendre. Combien de républicains qui a soutenu proposition ça? Ou t'as saisi pour comprendre bon valeur républicain que même proposition ça, il ne doit pas décider de soutenir. C'est là, oui, vous comprenez. OK? Et maintenant, nous pensons que là où on fait politique, ou une proposition, ce n'est pas nécessairement tout ça proposé qui a réussi. Il y a des moyens pour t'ajouter une solution milieu. Il y a des moyens pour gagner des négociations pour yo adresser problème système immigration à passer. OK? Il y a des moyens. Il y a des moyens pour que effectivement yo adresser problème ça yo que y a traversé dans moment là. OK? Donc ça t'a vle dit après simuler ça, je pensais que effectivement nous capable constater dans semaine là et causer immigration hein, débat on capable dit ouvri. Salazar n'en plan pas là qui voulait montrer que républicain yo capable montrer compassion. Li mandé 12 démocrates pour yo vinn sous table là pour yo justement fini business là aider yo fait bah, ça. En fait c'est ça que yo dit dans ça n'ta relé yon coopération bipartisan pour fixer bah, ça. C'est ça que yo mandé. Donc nous autres n'a suivre c'est justement dans mes sans penser puisque plan yo a gagné dans Sénat, les rivé dans Sénat si gagne en volonté tout bon vrai Sénat capable faire des modifications et pourquoi pas yo capable faire des modifications et retourner même j'ai ça toujours fait retourner bail député encore retourner bail chambre député encore pour yo capable prendre une décision finale. Maintenant non voulez redire encore pour tout le monde à chaque fois qui tendez yon proposition et qui dit ouais et plutôt ça plutôt ne pas jeune vous comprenez bon garanti bon bon monde là dit bon plutôt pour pas jeune dit tout parce que mon de mon bagan rien même si a bon mon bail pour 10 ans que me jeune ni parce que mon bagan rien dit tout vous comprenez bon vous comprenez logique là bon bon monde comme bagan rien même là même peut-être ou même qui sous pièce ou bon bail va dire ça il va rien c'est même mon qui pas grand rien là deux fois jeune un bagaille plutôt le joindre un bagaille. OK, so maintenant ça me dit pour tout le monde ça parce que fort souvent vous dites abdim ça cap fait pour moi ça cap fait pour moi ça cap fait pour moi. OK, nous voulons comprendre gens politiques là yé là ça cap fait pour ça cap fait pour moi c'est pas comme ça c'est pas en claquant les doigts. OK, il pas fait comme ça. OK, il parle gain en pile bataille si tout le va parler de dossier immigration c'est pas petit dossier il m'a en pile concession. OK, pas attendre non que yo pas le résoudre en un clin d'œil. OK, donc nous même nous t'a espéré qui effectivement rive gon compromis et que gen on bagay qui joine quand bien même pour plusieurs monde qui lagué sous en fait des bras balancés vous comprenez qui pa gen rien en main yo. Bien entendu nous t'a souhaité que yo joine un common ground Jean Odia pour que effectivement dossier ça arrive avancer mais pas question pour nous obliger à chaque fois dit nous yo pas ko bali c'est pas ça. OK, pile discussion a bien pour faire négociation a bien pour faire pour déboucher. OK, donc c'est dans ce sens que nous avons que nous comprenne ça nous va l'entrée en 2022 très certainement gain en fait grand pile républicain qui connaît ça tout il connaît bien il a bien pour poser yo question en 2022 qui ça a été fait dans le domaine immigration donc ça veut dire il a venir avec proposition par yo. Donc voilà guys, nous te pote update ça pour nous. J'aime toujours dire toute dernière nouvelle qui a déroulé, nous toujours pote ou pas bon ici là. Donc toujours été connecté avec nous. C'était un véritable plaisir. Bye bye tout le monde.